Comment ça a commencé, RTU ? Tout est parti d'une clé USB, juste ça. Son contenu ? Une sélection musicale accrocheuse, surprenante. RTU 89.8. La musique qu'elle contient se répand comme une traînée de poudre. Cet appétit musical féroce des auditeurs va entraîner une mutation. Petite clé devient disque dur. De là par site web, appli mobile, soirée. Déhanché, paillettes, légèreté, mélange. Connexion humaine, rédaction, tout ça prend forme et le rythme s'accélère. Disque dur devient serveur de stockage. Et ça a du répondant derrière l'antenne. Les auditeurs en redemandent. Et ça, Julien, le programmateur, ça le booste sacrément. De plus en plus d'auditeurs, de visites, de mots doux. Avec éclectisme en devises et qualité viscérale, les compteurs s'affolent. Très vite, il faut créer une équipe. Ainsi, aux côtés de Julien, le programmateur, Alfredo, le directeur de la radio, enrôle Alpha, pour un costume de tigre, animateur, rédacteur, et la petite Mimo, pour une soirée Lotto Bingo Club, parfaite pour les événements. Et puis Laure aussi, bah ça c'est moi, cette merveilleuse déesse. Il fallait bien incarner la voix du grand Nawak. Des DJ, Frikistan, James Stewart, Bully Mix, Chilorama, Pablo Valentino, Julien Lebrun, Clar, Waxis, des animateurs spécialisés, Mathieu, Alex, Fred, Alpha et leurs joyeux acolytes, Nico à la technique et Paul à la photo. Avec une équipe en béton, on va faire de belles choses. Plus de sons qui s'entendent et s'étendent toujours plus loin. Une radio FM qui arrose la deuxième ville de France. Sauf que pour le moment, on a 3 salariés et demi qui bossent avec ça. Et parfois, ça peut donner ça. Ou un truc comme ça. Toujours plus d'actualités culturelles de Lyon et d'ailleurs. Les oreilles sur tous les fronts et des invités de prestige. Ce qui en studio rend ça. Mais qui pourrait aller jusque-là? Bon, peut-être pas, mais pas loin. Des événements percutants, un retour à la fête, des décors de fou, des expériences inédites, ça a donné ça. Mais ça pourrait donner ça. Bref, RTU, c'est un accès à une playlist vraiment cool sur la FM et le web. De la musique et des actus culturels disponibles jour et nuit. Des sorties, des clubs, des concerts, des shows, toute l'année. En somme, RTU, radio associative, a besoin de fonds pour continuer à faire du RTU, avec encore plus de frappe. Mais vous avez des subventions ? Non. De la pub ? Très peu. C'est de la pub culturelle ? Oui. Mais vous êtes Nova ? Non. Mais vous bossez avec Radio Nova ? Oui. On essaiera de s'unir à elle en septembre 2016. Pour maintenir RTU ? Oui. Mais d'ici là, vous faites comment ? Eh bien, on fait un crowdfunding.